les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous sommes le lendemain, donc dimanche, le lendemain de notre retour à 1h30 du matin. Franchement, on s'est réveillé, il était 9h. En fait, j'ai mis le réveil parce que j'avais une personne qui venait pour m'acheter quelque chose. J'ai mis des choses en vente, etc. Et elle venait à 10h30. Donc j'ai mis le réveil pour qu'on puisse se lever. On a vidé la voiture, dès qu'elle est partie on a commencé à vider la voiture. Là il y en a partout, je vais lancer une machine directement. Chacun est en train de ranger son linge. Et écoutez, let's go, c'est parti pour cette nouvelle journée. J'espère que vous, ça va bien pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo et on continue dans le reste de cette journée. Franchement je sais pas trop où je vais pouvoir vous emmener parce que je suis dans le speed. Je dois faire les linges, faire le ménage de tout ce qu'on a vidé de la voiture, refaire des bagages. Bref, j'ai une liste longue comme le bras, je vous embarque, on verra bien où ça va nous mener. Bon, on a tous vidé les valises, bon il reste plus que moi en vrai. Une valise de serviettes, là une valise. Une lessive de serviettes à faire, maillot de bain, etc. Là j'ai déjà une lessive, j'ai vidé tout le sac qu'on avait pris là comme ça. Et comme ça je mettrai au sèche-linge, après j'enchaîne. Hop, allez, une bonne chose de faite. Bon, j'ai fini mon petit vanity. Franchement, j'ai pris que, j'allais dire le strict nécessaire, peut-être pas. Mais le minimum, en tout cas. Ça, je vais enlever d'ailleurs. Un petit peu de make-up, un petit peu de soins. Et puis c'est tout, hein, écoutez. Vraiment, il n'y a pas grand chose. Voilà, ça c'est pour se coiffer. Parfum, mon fixateur de make-up. Encore, je sais même pas si je vais maquiller en vrai. En vacances, je me maquille pas tellement, hein. Et puis voilà, ici un petit peu de make-up, ici mes petits cotons et voilà. Bon, j'ai mis un sèche-linge à tourner, la première machine. Là, j'enchaîne avec la deuxième. Franchement, elle est blindaxe et j'en aurai une troisième à faire. Heureusement que j'ai un sèche-linge. Là, c'est les affaires, toutes les affaires des enfants, etc. Ici, toutes les serviettes et affaires de mon mari. Et il me restera mes vêtements. Bon, j'ai sorti la deuxième machine, je vais en étendre une partie, bah, tout ce qui est drap et serviette, et j'ai lancé le reste en sèche-linge. Là, je viens de faire une pizza express pour les enfants, j'ai finalisé ma valise. J'ai tout mis dans les petites pochettes et là je vais mettre dans la valise, je vais vous montrer. J'avais gardé au congélateur une petite pizza chèvre miel pour le retour, pour pouvoir leur faire, et ce soir je vais faire des pâtes au thon, comme ça voilà, c'est bon pour les repas. Et ça c'est moi qui ai croqué, j'ai trop faim je vous jure, j'ai même pas eu le temps de déjeuner depuis ce matin. Et il est 16h et je vous jure on mange seulement. Incroyable. Bref, je vais aller finaliser ma petite valise, comme ça au moins je suis tranquille. Je vais pouvoir aller prendre soin de moi. Bon voilà, c'est bon pour les petits. Petite salade choux carottes, petite pizza chèvre miel, un yaourt et ce sera très bien, c'est bon. Oui. Allez, bon appétit. Regardez, on a encore le... Faut qu'on enlève les bracelets, hein. Mon mari l'a enlevé aujourd'hui. Et nous, bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. Bon, je vous montre où j'en suis niveau bagages. Donc voilà, j'ai mis mes vêtements dans des petites pochettes. Ici, j'ai toutes mes robes. Franchement, j'ai pas pris grand chose en vrai. Parce que je me suis rendu compte que déjà, là, 15 jours au camping, je m'étais quasi jamais rien. Donc j'ai mis un peu de robes, pantalons. Ici mes sous-vêtements, ici j'ai pris deux pyjamas, ici c'est quoi ici, je ne sais plus, ah oui c'est mon maillot de bain Pareo, et voilà, ce qui est maillot de bain etc. Là. Et là-bas j'ai mis un gros gilet et un gros pull, au cas où, vous savez les soirées c'est toujours un petit peu frais, donc voilà, où j'en suis, il me reste encore... pas mal de choses à mettre dans la valise, notamment des petits cadeaux, des petits... quoi d'autre? Bref, j'ai encore plein de choses et c'est juste là. Voilà. Donc j'ai encore cette petite valise-ci. Ici, j'ai mis mes petits produits, mais je crois que je vais la mettre directement dedans parce qu'en vrai, franchement, je sais pas, j'ai rien à mettre en vrai là-dedans. Prendre plein de valises pour rien du tout, quoi. On fait tout le temps ça, on prend trop de vêtements, à la fin on met rien du tout et on se rend compte que... Mais bon, je me dis au moins si je veux acheter des choses là-bas, c'est pas grave, j'aurai des bagages en plus. En tout cas, ça c'est fait, je vais continuer, franchement. C'est pas la bonne idée d'enchaîner des voyages. Faut laisser un petit timing entre parce que un jour ça suffit pas.
Bref, c'est pas grave, franchement, je me dis, c'est pas grave de toute façon, même ce qui est de ménage, etc. De toute façon, c'est pas grave, je ferai tout en rentrant. Bon, de toute façon, on a vidé toutes les autres valises, j'ai fait les machines, mais vous voyez, typiquement, le linge qu'il y a sur l'étendoir, bah, il va rester sur l'étendoir, mais c'est pas grave. Juste ici. Vous voyez, ça va rester comme ça. Bon, première partie, ok. On n'a pas fini, je vous dis la vérité. Il faut absolument que j'aille m'épiler, regardez ce que j'ai dans les mains. Parce que je veux pas le prendre avec moi, juste pour 8 jours là. J'arrive, Barbichou! En plus, avec les enfants et tout, je vous raconte même pas. Bref, là, je vais aller m'occuper un peu de moi. Dites-moi d'ailleurs en commentaire que vous pensez que je vais ouf. Vous pensez que c'est. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle est la prochaine destination selon vous. Tu dis coucou? Coucou Maman, les amis! je veux pas la lécher. Coucou les amis, mais. Bon, les amis, je reprends bien plus tard. Il est 21h. Enfin, je sors de la douche. Non, en vrai, je suis sortie de la douche il y a bien 40 minutes, 45 minutes. J'étais posée sur le lit. Franchement, j'arrivais plus à décoller. Je voulais mettre du botox sur mes cheveux, laisser agir au moins 2 heures, etc. pour après aller faire mon brushing. Mais écoutez, j'ai pas vu le temps passer et j'avais plus la force. Mon mari a fait à manger des pâtes au thon. Il a laissé mon assiette au micro-ondes, là je vais dîner. Et puis voilà, écoutez, j'ai fait une bonne douche chaude, des soins, hydratation, crème, etc., épilation, tout ça, ça fait trop du bien. Je pense pas que je vais me coucher très très tard, j'ai même pas eu le temps de faire du montage vidéo, mais en vrai, je pense que je le ferai dans l'avion. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs la destination où vous pensez que je vais aller parce que je vous avais déjà demandé et beaucoup m'ont dit le Maroc ou l'Espagne. Et le Maroc et l'Espagne, j'ai déjà fait, je vous ai dit une destination que j'avais jamais faite. Bref, bon, je dîne et je vais faire mes cheveux, mon brushing, dernière étape. Avant de quitter la France demain, je vous dirai dans une prochaine vidéo la destination. Et voilà les amis. Go manger, j'ai hyper faim. Je vous montre mon repas, regardez, dans des assiettes en carton. Tellement on n'a pas le temps, ça y est, il n'y a pas la vaisselle, il n'y a rien. Bon les amis, je viens de finir mon petit brushing. Franchement, j'ai fait les plaques parce que j'avais pas la force, honnêtement, de faire le... J'ai fait que ma mèche de devant avec la brosse, vous savez, coiffante. Mais sinon, j'ai fait les plaques pour aller plus vite. Ils étaient déjà secs, en fait je vais passer un long moment avec les filles en bas à rigoler un petit peu et tout. Et mes cheveux ils ont séché hyper vite. Donc j'ai fait les plaques comme ça je suis tranquille. Il est quand même tard je vais vous dire. Franchement on dormait tellement tard au camping que là les enfants ils veulent même pas dormir. Il est 23h30 en sachant que... faut se réveiller à quelle heure? Pour partir à 7h15. 6h. Réveil à 6h, ouais. Réveil à 6h, voilà, comme ça, en fait, la réservation au parking de l'aéroport, c'est 9h15 et le décollage, c'est 12h15, quelque chose comme ça. Ça va être une journée longue, 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 longue demain. Bref, j'espère que ça va aller, en tout cas. Écoutez, je vais vous quitter ici. En tout cas, si vous êtes sur la route des vacances, en vacances, faites bien attention à vous. Franchement, nous, on a failli avoir je ne sais combien d'accidents, hein? Ouais, voilà. Je vous jure, pourtant, on n'est pas des gens qui roulons bizarrement ou coquets, on fait attention. On a d'ailleurs, pour une petite anecdote, on avait failli avoir un accident avec une personne. En fait, c'était une ligne, c'était deux voies, donc chacun sa voie. C'était une départementale. Avec une ligne droite, une ligne continue, donc ne pas doubler. Le mec, à la sortie d'un rond-point, il a voulu doubler 3 voitures en même temps. Sauf que, bah, forcément, à la sortie d'un rond-point, nous, on arrivait, enfin, et d'autres voitures d'ailleurs. Je vous jure de justesse, de ça qu'il a, réussi à se remettre sur la voie, sinon il nous percutait. Et on n'a même pas eu le temps de faire comme quoi que le karma, Dieu, ce que vous voulez, mais les choses sont tellement bien faites. Mon mari l'a klaxonné et tout, il a fait les appels de phare. Le temps qu'on fasse le tour du rond-point, on ne voit pas les gyrophares des policiers. Il y avait des policiers sur la route, hein, tu te rappelles? Ouais, il s'est attrapé. Ah, j'ai dit à mon mari, le karma là, franchement, lui, c'était bien fait pour lui parce que vraiment un danger public, il s'est fait arrêter instant. Vous imaginez quelle est la probabilité
combien de pourcentage de chance il y aurait pu avoir qu'il y ait des policiers devant nous ou derrière nous, je sais pas, parce que vu que nous on a fait le tour du rond-point, on a juste vu les gyrophares et puis le type qui s'était fait arrêter quoi. Mais même pas que ça, franchement plein. Vraiment les gens ils conduisent bizarrement, c'est franchement on a esquivé deux ou trois accidents vraiment qui auraient pu être très très graves, limite mortels quoi. Les gens ils sont pressés alors qu'ils sont en vacances, je comprends pas moi. Ouais. Bon après tout le monde n'est pas en vacances dans la ville où voilà mais. Non mais en général c'était les touristes hein, qui faisaient les fous. Bah je sais pas lui il avait. Tu vois ils ont des trucs au-dessus de la au-dessus du. Non du il avait rien au-dessus du toit. Bref franchement c'est hyper dangereux. Hein. Il y en a plein ils partent comme ça en vacances et malheureusement ils reviennent plus quoi. Donc voilà faites attention à vous faites bien attention à vous quoi. Bref donc dans tous les cas moi je vais vous quitter ici franchement je suis KO. Faut vraiment que j'aille dormir, là j'enchaînais. Toute la journée s'est passée tellement vite, je me disais, ouais, j'ai le temps, paf, 23h. J'étais persuadée d'aller dormir tôt. Bref, c'est pas grave, au moins j'aurai quand même une bonne nuit. Et puis écoutez, voilà, hein, après demain c'est parti. Je vous reprendrai, je pense, demain. Ou pas. Je sais pas trop, on verra comment ça se passe, mais en vrai, je sais pas, on verra. Bref, dans tous les cas, je pense que je vous reprendrai demain. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao !